3, 2, 1. Alors, je suis en présence de Madame Cécile de Quevert, qui est PDG de l'entreprise Weco, qui propose un système original et innovant de toilettes publiques autonomes à chasse d'eau recyclée. Alors, je vais vous proposer de nous en dire plus, Madame de Quevert, si vous voulez bien. Qu'est-ce qui différencie les toilettes Weco des autres types de toilettes publiques? Au-delà de l'innovation, on est même franchement dans une et avec une volonté affichée de complètement révolutionner le monde de l'assainissement et des toilettes, notamment publiques. La grande différence, c'est qu'on a développé une technologie qui est brevetée, qui combine un système de traitement biologique et de traitement par électrolyse, qui va détruire tous les virus et bactéries et qui nous permet de traiter et recycler les eaux usées sur site, dans les toilettes, et donc de proposer la même chasse d'eau indéfiniment recyclée et traitée. Donc, nombre de collectivités, pour ces raisons, ont fait le choix de notre système parce que ça leur permet d'avoir des toilettes autonomes non raccordées au réseau. Très bien. Alors, justement, à propos des collectivités, quelle ville aurait déjà installé votre système de toilettes? La première a été Saint-Étienne, puis Vitry-sur-Seine. Il y a un an, on a installé à Grigny, en Île-de-France, pour un très grand marché. Et là, début 2021, on va installer à Rennes et à Blois. Donc, pour les raisons que j'expliquais, à savoir ambition écologique d'économiser l'eau des chasses et puis aussi de ne pas être raccordé au réseau et de pouvoir déplacer les toilettes. Ce qui fait aussi que des entreprises nous ont sollicité, notamment des entreprises de construction. Et puis, depuis 3 ans, nous développons la solution avec Alstom pour les toilettes des trains. Donc, avec une ambition de faire un système industriel de grande qualité et qui soit certifié. Merci beaucoup, Madame de Quevert, pour cette présentation et cette description. Merci à vous. Merci à vous.